Hey yo bande de moulissières, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc, la dernière fois on avait commencé... Oh c'est quoi ça? Ah oui non, ça on s'en moque en vrai, spécialisé à survie, je sais même plus ce que ça fait. Ouais non, ça c'est vrai, ok. Bon, on y est pas. La dernière fois on avait commencé une nouvelle équipe, plus ou moins, avec l'abomination, tout ça. Je pouvais pas mettre elle avec l'abomination, c'était assez important à prendre en compte, du coup j'étais parti avec un truc comme ça. Mais... Comment on va faire ça? Ouais, il manque un DPS en gros à 5 étoiles. Enfin, 5 étoiles. Plus ou moins, l'abomination pourra pas aller avec eux, mais on va voir. Je pense que je vais refaire des trucs niveau 1 pour l'instant. Eux, ils doivent pouvoir tenir, je pense, encore une fois, dans un truc niveau 1. Ah, mais attendez, on va augmenter leurs armes et tout, par contre. Hein. Ils sont bien battus, on va essayer. Et l'abomination, c'est vraiment parce qu'on m'a dit que c'était cool. Hein. Du coup, je vais tenter. Je suis pas vraiment moi-même convaincu, vous voyez, mais... Je me dis, vas-y, je vais vous faire confiance. Oh là 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 là! J'ai une telle confiance en vous, c'en est presque beau. Hop. Par contre, au niveau des compétences, c'est là où ça va être un peu différent parce que genre lui. Ah ouais, mais je suis quasiment obligé de tout augmenter. Parce que ça, le stun, en vrai, ce serait dommage de pas le prendre. Bon, ça, la transformation, il faut la prendre. Ça, il faut le prendre. Ça, la bile bestiale. 3 points sur 3 tours, ça devient vachement intéressant, ouais. Donc ça, on le prend. La griffure, ça augmente les dégâts, modification de dégâts moins 40%, bonus de crit. Ouais, bon, ok, on va essayer de booster ça. Hein. Lui, j'en ai rien à péter. Non, voilà. Ça, c'est son. Ok, non, ça, je prends pas, je m'en moque, je l'utilise pas. Lui, par contre, il a absolument besoin. Le tir à bout portant, non, alors c'est juste que j'ai pas mis les bonnes compétences. Très bien. On va lui mettre la mitraille, on va lui mettre ça. On va lui mettre ça et ça. Ok, du coup, on va partir pour un truc comme ça. Donc, Jackie Tuning. Ça, en fait, ça. Ça déjà, j'en ai rien à faire. Tu vas prendre ça plutôt. Ça, j'en ai rien à faire aussi. Du coup, tu vas plutôt prendre ça. Donc là, on tombe quand même avec un personnage plutôt ok. Donc lui, il a déjà tout. Lui, ça me servirait pas à grand chose. Faudrait qu'il soit en deuxième position. Or, je vais pas le faire jouer en deuxième position. On va pas se cacher, hein, surtout pour un truc juste qui stun. Ça me sert à rien. Ça. Ouais, non, ça c'est un truc au corps à corps. Et il y a déjà des mecs qui font le taf mieux que lui. Du coup, on va pas le changer. Hein. Lui, il a ce qu'il faut. Lui, il a. Ouais, de toute façon, c'est du full. Lui, il a ce qu'il faut. Bon, écoutez, on va partir dans un truc niveau... Il y a personne qui va passer niveau 3 bientôt, hein, de tête. Là, ils sont plutôt ok. Ça me semble correct. Donc bon. Ah, quoique. Ah, il y a lui. Ah, il y a lui. Mais du coup, après, il pourra plus faire un truc niveau 1. Donc, est-ce que j'essaierai pas de faire ça dès maintenant? L'équipage ruisselant, la sorcière flétrie, l'équipage ruisselant. Oh, ça, c'est une longue. Très bien. Parce que si je fais ça, ils vont me passer, c'est sûr. Bon écoutez, hein, il y a un moment où on va tenter ça. Allez, on va essayer de péter à la gueule à l'équipage ruisselant. Donc les torches, on avait dit que j'en avais eu trop tout à l'heure. Je préfère en avoir trop que pas assez en même temps. Hop. Il y a un moment où... Ah, oui, c'est bien si j'ai encore de l'argent après. Ok, on va partir comme ça, on va voir si on y arrive. Je dois vous avouer que je suis pas convaincu. Ah. Je suis vraiment confiant dans cette club parce que là c'est pas l'équipe que je connais le mieux en plus. L'abomination, je suis en découvert. Alors si vous pouvez boire, ne soyez pas surpris, c'est du thé. Hein. Avec ma superbe tasse qui date d'il y a plus de 10 ans, je crois qu'elle date des années 2000 ou 2001, un truc comme ça, à l'époque où. Chut, tais-toi, parle pas. À l'époque où il y avait la sortie de Harry Potter 1, le DVD édition collector en fait, je l'avais eu à Noël, voilà. Et dans cette édition collector, il y avait justement cette fameuse tasse qui ne m'a pas quitté depuis. Voilà, d'aucuns diront « Ouais, t'es un enfant à garder ça !» D'autres diront « Bah non, c'est un souvenir. » Il n'y a pas de raison, je veux dire, de ne pas garder quelque chose que j'ai beaucoup aimé et qui est un cadeau, qui est toujours en état parce que je suis très soigneux de mes affaires. Donc, voilà. Mais oui, mes délex cachés, mais allons-y, prenons tout. Hop, 76, on descendra jamais en dessous. Quoique j'avoue, j'aurais peut-être pas dû faire une moyenne alors qu'ils étaient déjà pas au top, c'est pas grave. Je vous avoue que j'ai pas été très intelligent là, mais c'est pas... Ok, très bien, il n'y a rien ici. Mais là, elle va aller voir un piège, haha. Nous l'avons désarmé. Il est trop fort, oui, c'est un génie. Yeah. Ok, donc là, il y aura un combat. Je pense que le boss va être là. Voilà. Bon, par contre, j'aime pas en fait le fait qu'il stresse de plus en plus comme ça. Je dois vous avouer que ça m'arrange pas des masses parce que c'est vrai que je les ai pas soignés avant ça. Ok, ils ont pas. Aucun n'a beaucoup de HP. Il y en a deux qui restent pas beaucoup au stun, lui notamment. Parce que sinon il peut booster les autres et c'est méga relou. Lui non plus, il n'y résiste pas beaucoup. On peut sérieusement profiter de ça, à mon avis.
Ok, voilà, j'ai bien fait. Ok, là c'est lui qui attaque, non? Vraiment, j'ai pas grand chose à faire à part l'esquiver en moins. Ça peut être intéressant si j'arrive à le tuer lui avant qu'il fasse quoi que ce soit. Ça peut être bien s'il lui attaque. Très bien. Poigne glougloutante, 7 points de dégâts. Ah! Ah, ça n'attaque pas assez loin. Ça. Il y a moyen de le tuer. Voilà. Allez hop, ça c'est fait. Ok, donc lui il va pas pouvoir être stun réellement. Lui on va essayer de diminuer son stress, on va profiter d'un combat comme ça. C'est vrai que j'ai peut-être été un peu bête d'essayer de les renvoyer directement au combat. Après, à 100 globalement, c'est encore gérable souvent, mais. Parce que là en fait, je me demande. What the fuck? Ok. Si dans le jeu, parfois, je suis pas mieux à. Comment dire? Genre, tu fais une première équipe qui sert juste à débloquer le niveau, à débloquer la forge, etc. Et arrive un moment, ouais, au cas où il attaque après, je peux faire jouer à la sécurité. Mais arrive un moment en fait où dans le jeu, tu ne t'occupes. Tu fais tout ce que tu fais au début, juste pour que ta deuxième équipe. En fait, ah merde, je voulais pas le tuer, je voulais que lui puisse diminuer le stress. Juste pour que ta deuxième équipe ait déjà tous les buffs, forges et tout et tout. Je me demande si ça peut pas être une stratégie intéressante. Cool, le contenu du sac m'appartient. Hé hé, 25 pièces d'or, ouais. C'est génial, oui, oui, oui. C'était nul. Ok, donc là, il y a des mobs à tabasser. Dadada. Ok, on peut essayer d'en stun. Lui, il est quasiment instunable de toute façon, c'est un peu relou. Lui aussi. Hop, si on peut stun lui déjà, c'est un bon début. Ça met l'autre devant. Ah bah oui, mais t'étais trop loin pour être stun, toi. C'est pas très grave. Là, il n'y a personne à soigner. On va essayer de les tentaculer. Très bien. Très bien, très bien. C'était génial. Je peux essayer de stun lui. Ou je peux juste essayer. Ouais, mais je peux pas les taper directement. Par contre, est-ce qu'ils sont sensibles? Ils sont sensibles aux infections. L'infection a l'air de faire vraiment pas mal de dégâts. Ça peut être très intéressant de jouer là-dessus. Lui est sensible au saignement. Ça fait combien? 3 sur 3 tours. Plus les dégâts de base. Ça peut être vraiment cool en vrai. Voilà, lui, c'est-à-dire que même si je le tape plus, il meurt. C'est bien. Il fait mal quand même avec sa pointe gloutante. Hein. Oh. Ah bah oui, l'infection sur lui, mais c'est trop fort en vrai. Parce que lui, normalement, il a trop d'armure et vous lui faites quasiment pas de dégâts. Des petits 1 ou des 2 au pire, mais... Bon, ce qui est embêtant vraiment, c'est de pas avoir de soins de groupe. Ce qui peut poser problème sur le long terme. Mais bon, c'est pas trop grave en théorie. Lui, il a une résistance là à l'étourdissement. Ouais, lui, je peux pas l'étourdir. Bah, lui, il va juste essayer de continuer à. Ah, ou alors je continue à faire ça, parce que ça se cumule en vrai. Hein. Je peux faire qu'il résiste de moins en moins et du coup, il prenne de plus en plus de dégâts de l'infection. Ce qui est assez génial, on va pas se le cacher. Lui, il va faire ça, c'est-à-dire que là, ils vont mourir. Hein. Ça va être la dédification, vous allez voir. C'est pas si mal. S'il avait pas autant de stress, si l'abomination avait pas autant de stress, ça pourrait être genre vraiment vraiment cool. Lui de toute façon, même s'il tape, j'ai aucun moyen de le tuer. Avec ça non plus. Donc je me demande si c'est pas plus intéressant d'essayer de soigner un petit peu mes mecs. 5. Ne saigne pas, voilà. Lui il meurt. Lui il meurt. C'est lui à taper. Hop, et là il meurt les autres, même si je peux pas taper rien, c'est pas grave. Ah, avec un peu de chance, attends, parce que si je peux faire que lui tape lui, si l'autre peut se soigner, ça peut être vraiment cool. Non, bah soigne-le lui, c'est toujours ça de gagner. Voilà. Et c'est lui qui va se soigner, super. Voilà, on prend des HP, on diminue le stress, et lui il meurt de toute façon. Donc là on est... Le fight a été plutôt très bien géré, je suis pas mal content. Hop, on récupère une clé, ça tombe bien, on a besoin d'une clé ici. Génial. Ok, donc là c'est plutôt tranquille. Il y aura un combat là-bas, très bien. On va essayer de vraiment rester très très haut. Je sais pas ce que je peux faire là-dedans, dans ces trucs-là. Ok, bon bah on force. Ça va. On reste tout le temps très haut, très haut, très haut. Hop ! Voilà, il y a le combat là. Donc ça c'est très simple, on va leur mettre la bile, parce qu'en vrai c'est trop bien. Ah, mais si je le pousse lui, ça va pas être cool. Parce que ça veut dire que ceux qui vont être devant, il pourra pas leur mettre l'infection. Donc on va juste le taper, lui. Lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut pas faire grand chose, en vrai. C'est. Il peut essayer de soigner lui, mettre full life, toujours ça, hein, vraiment. Il y a un moment où c'est plus intéressant. Ça, par contre, c'est trop bien. Voilà. Parce que si lui fait une mitraille, il y a moyen. Hein... Ok, non, ils vont pas mourir encore. Ils vont pas mourir encore, mais bon, bientôt, du coup, c'est déjà ça. Esquive. Bien joué, mec, bien joué.
Parce qu'entre le saignement du mec qui peut arriver, je pense, à 4-5 par tour, lui qui fait 3 par tour et tout, sur les boss, ça peut être juste génial. Hop, vas-y, diminue un petit peu ça, ok. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? T'as pas grand-chose à faire, du coup tu vas juste faire ça, je sais pas. C'est, on évite de passer les tours, hein, ça augmente le stress si vous passez les tours. Je sais pas moi, soutien, vas-y. Ouais, allez les gars, vous êtes trop forts. Bon bah, vous mourrez. Ah oui, il y a un problème avec ça. Que vais-je retirer? C'est un peu la question. J'ai pas de points, alors ça, je m'en moque. Ça par contre, j'aimerais bien les garder, 250 pièces d'or chacun. Je peux peut-être enlever ça. Ok, et ça on laisse. Toujours un peu le problème dans l'hésitation. Donc là, il y a un combat. J'aimerais avoir le repérage de Seattle. Oh non. Oh non, en vrai, ça va être relou, ça. Lui, il va être trop chiant à tuer. Est-ce que je devrais pas essayer de les bourriner, d'en tuer un tant que je peux? Ça peut être un bon choix. Hein. Vas-y. Pas très solide à ça. Donc ça, comme ça, après, je peux me concentrer plutôt sur les autres. On va essayer ça. Voilà. Comme ça, lui meurt dès qu'il va devoir jouer. Ok, lui, si on peut lui mettre ça, ça peut être intéressant, comme ça l'autre va pouvoir toucher bien. Tac. Il y a critique augmentée, je crois, quand la cible est marquée, c'est ça. Dégâts 25% VS marqués, ok, donc on est bien. Ça fait qu'il y en a deux qui meurent dès le premier tour, c'est cool. Très très cool. Ça, ça peut faire saigner. Et il saigne pas, très bien. Super. Super, super. Il est sensible aux infections, lui? Oui, super. Parce que bon, quitte à ce qu'il prenne pas beaucoup de dégâts des attaques normales, autant l'infecter si on peut. Hein. C'est toujours bien. Il y a peu à soigner, du coup on va faire ça pour être sûr que mes alliés le touchent. Dégâts plus 25% VS marqué. Il est marqué, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Je peux le faire saigner. On sait jamais, s'il saigne, c'est toujours ça de gagner. Non, il résiste. Bon, il a une grosse résistance, hein. Il a 60% de résistance, c'est pas ouf. Ça, comme il est marqué, je vais laisser le cac le tuer. Ça doit être à peu près tranquille. Ouais, allez hop. Octocest, ne saigne pas. De toute façon, je pourrais le soigner avec Jackie Chun. Je sais plus comment il s'appelle l'autre, mais on va l'appeler Jackie Chun. Hop. Il s'appelle Faucon. Peut-être un vrai mec intelligent, du coup. Il est sensible à l'étourdissement, on va en profiter. Voilà. Si on peut gagner un tour, on crache pas dessus. Lui, il va essayer de diminuer un peu son stress. Toujours très bon, ça. Du coup, j'arrive à maintenir un niveau de stress assez bas. S'il saigne, c'est tant mieux. En plus, évidemment, de l'infection. Voilà, du coup, la vie à perdre. 6 HP, hop. Et prochain tour, il meurt. Du coup, je peux juste essayer de me soigner, faire tout ce que je veux. Parce qu'il meurt au prochain tour, c'est très très bien. Le mec, il va finir, en fait, il aura moins de stress que ce qu'il avait au début. C'est assez intéressant, quand même. Tout devient rouge. Non, mais arrête-toi. Eh, vas-y, protège un allié. Si, je sais pas si tu peux avoir un crit là-dessus, et du coup, les mettre vraiment bien en termes de stress. J'essaie de gagner du temps, ne sait-on jamais. Ah, oui, ça devient un peu gênant. Ça, je pourrais le revendre assez cher. Ça, clairement, ça va aller là. Car j'en ai pour 500, ou alors j'enlève ça, les saignements. De toute façon, j'aurai besoin de ça. Ça, par contre, j'en aurai besoin. Écoutez, on va essayer de faire ça, et je vais partir du principe que j'aurai quand même besoin de la clé. On va faire ça, allez. Ok, bon, c'est bien, c'est toujours ça de prix. Peu de chance qu'il soit vers là-bas, l'équipage ruisselant, je pense, hein, ce serait un peu trop tôt dans le niveau à mon goût. On va essayer de réagir de façon logique. Ils ont faim, bouffer le monde de gros lard. Ah oui, on a faim, blablabla. Bla bla. Ah oui, mais je crois que c'est quand tu les fais pas faire de feu de camp, ils ont faim plus souvent. Ok, il n'y a pas de soucis, ils sont surpris, ok. Je pense que je vais essayer de faire comme tout à l'heure, essayer d'en éclater un sauvagement. T'as le marine harponnage. Bam, ouais, c'est de tabasser lui. Ah, j'aurais dû essayer celui de devant, je suis complètement bête en vrai. C'est pas grave. C'est pas le bon qui a résisté, ça ne m'arrange pas. Oh oui, ça c'est beau par contre.
C'est, j'aurais dû taper celui de devant tout à l'heure. Parce que les autres, je les tue un peu sur le long terme, ça aurait été mieux. Ok. Hop, lui il va pas mourir instant, mais avec une mitraille de sa part, ça va être bon. Lui, il y a pas grand chose à faire, par contre, il peut faire ça. Hop. Donc lui, il peut le tabasser, lui. Le stun par sécurité, puisque les deux autres vont mourir globalement s'il y a une mitraille. Voilà. Là, il est stun, du coup, il meurt au prochain tour et j'ai pris quasiment zéro dégâts, ce qui me permet, lui, encore de diminuer son stress. Ah, sauf s'il a beaucoup de vitesse, 6. En théorie, en vrai, je réattaque avant. On va profiter de soigner un peu, quitte à avoir un peu d'avance dans les tours. Bon, je rends 4 HP, je vais en perdre 3. Ça reste worse, même si c'est puant en vrai. Tais-toi. Ok, on part là-dessus, donc lui il va saigner, c'est pas très grave. Ah, ça j'en ai rien à faire. Ça vaut 500. Ça attend, je suis à 500 aussi là-dessus, mais ça pourra se stack. J'ai toujours un problème dans ce moment-là, je ne sais jamais quoi prendre. Est-ce que je verrai pas les pelles? Parce que la clé, s'il y a une pièce secrète, ce serait dommage. Ça, je m'en moque. Les pièces, je peux gérer. Ouais, bah partons comme ça. Hein, allez. À l'aventure, compagnon, j'en suis parti sur l'horizon. J'aurais mieux fait de rester au lit, donjon, il est pourri. Ils sont plutôt sensibles aux étourdissements. Lui, il a plus beaucoup de HP. Bam! Ok, on peut faire ça. J'ai pas grand chose à faire là de toute façon. Tir de suppression, ok. Bon, lui meurt au prochain tour donc j'ai même pas besoin de lui tirer dessus. Soit, lui il était stun donc il y a que lui qui peut encore attaquer. Je peux faire une mitraille pour le tuer ou je peux assurer de tuer lui. Enfin, assurer non, mais lui vu qu'il va mourir tout à l'heure, ce serait dommage de perdre des dégâts sur lui en fait. Aïe. Hey oh, reste calme. On peut le stun au pire, toujours ça de près. Tant que je peux éviter de me transformer en bête, je vais éviter en fait. Donc lui est stun, je peux peut-être faire ça. Comme ça mes autres vont le tabasser lui. Et il saigne, très bien. La mitraille est pas forcément nécessaire, par contre je peux peut-être le dégommer. Zut, c'est pas suffisant. Ça va être à lui. Tac, on le tape. Bon. Bon. Bah écoute, tiens. Il est mort. Ah, oui. Encore un problème, le sang serait dommage de m'en passer. Parce que j'ai quand même une autre équipe qui a beaucoup besoin de sang. Est-ce que j'oserais virer ça pour du sang? Je pense que ça reste worse. Je pense que le sang actuellement, vu mon autre équipe, je peux pas assez m'en passer pour ça. Est-ce que je ferais pas un repos dans cette pièce après? Allez, dans cette pièce, on va faire un repos. Super. Comme ça, ça va m'économiser un petit peu de bouffe. Voilà. Hop, empêche les embuscades nocturnes, très important. Ensuite, soi-même uniquement, dégâts de stress. Ok, lui il fait quoi? Lui-même il stresse, mais ça déstresse les compagnons. Ok. Crescence à infection, dégâts de stress, ouais. J'ai pas besoin de ça. Tous les compagnons plus 7. Non, soi-même uniquement, non. Waouh. Ouais, dans tous les cas, lui ça diminue son propre stress, ça augmente. Ok, j'ai ça pour les autres. Je pense que ce sera suffisant, genre vraiment. Hop, ok. Lui peut essayer de diminuer le stress de celui-ci parce que lui peut s'auto-diminuer le stress. C'est pas mal en fait, je commence à pas mal gérer le stress. Je vais finir avec moins de stress que ce que j'ai commencé. Groupe esquive plus 10, critique plus 3. Ok, bah j'aime bien ça, j'aime bien ce truc là. Non, vraiment, je pense que ça c'est cool. Allez. Hop, on va pas se faire attaquer la nuit, on est full life. C'est bien. Ok, donc là je sais qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas le boss, donc ça veut dire que le boss va être là-haut. On va aller par là-bas et je ferai les autres vraiment après si j'ai pas perdu trop de HP ni rien. Ouais.
task well performed. 76, pile poil. Pile poil. Hop, oh, pile poil. Va comme le vent, pile poil. Ok, lui, je pense que je peux one shot. One shot. J'avais annoncé. Ah, je l'avais call le one shot. Hein. Il sert à rien, lui. Il peut se soigner ou il peut faire ça. Waouh, génial. Quel critique incroyable. Est-ce qu'ils sont stunables? Très peu. Ouais, j'ai pas grand chose à faire vraiment. Ouais, c'est deux stuns, on sait jamais. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Hop, et lui fait plus de dégâts. Et non, j'avais espoir, mais non. Très bien. Non, ça fait mal ça. Ça va, esquive. Ah bah oui, ils ont un bonus d'esquive. Hé hé. Sur 4 combats. Si je le tue, c'est cool. Ouais, voilà. Au moins, les autres peuvent se concentrer sur eux. Et on est bien. C'est tellement worse de... Ah, zut. J'ai revu ça. C'est tellement worse, en fait, d'augmenter les armes. C'est incroyable. Hop, donc ici, on sait qu'il n'y a rien. On se dirige par là. Torche, oui, bah ça se revend à la fin. Écoutez, il y a un moment où... Il n'y a pas de petit profit. Ça, case vide. Ok. Donc là, il n'y a encore rien là-bas. Je peux spam les torches, de toute façon. Allez. Où allons-nous? Là-bas. En fait, ils vont finir avec moins de stress que ce qu'ils n'ont commencé. C'est beau. Je trouve ça plutôt beau comme truc. Voilà, là, c'est le boss. On le sait. Ça va être la castagne et la bagarre. Ouais, bah, bouffez si vous le souhaitez. Hein. Écoutez, les gars, il y a un moment où... On a de la bouffe en rab. Ah, des legs cachés. Non, ok, c'est good. C'est... J'ai de la place. I've got the place. Hop. On garde la lumière, super génial. Une torche. Je suis heureux, je suis joie, content, homme heureux. Et on va partir là-dedans, donc je suis toujours... Hop, on va maintenir ça à 100. Alors... Ok, il est sensible aux infections. Un peu moins au reste, mais... Sensible au malus aussi. Ah, salut. J'ai rien qui va me faire avancer, donc lui on va le mettre derrière plutôt tranquillement. Ils sont sensibles au malus, mais j'ai pas réellement de malus à leur infliger. Lui il est sensible pas au saignement, au malus. Est-ce que je viserai lui ou est-ce que je vais essayer de tabasser les autres un peu? Parce que sinon lui j'essaye. Ah non, j'aurais pu mettre deux derrière, zut! J'ai raté, j'avais pas fait attention. Je croyais que j'avais que un. Hop. Mince, j'ai été complètement bête parce que là j'aurais été trop mal placé en fait si j'avais pu changer. C'est pas grave. Il me jette. What? Il m'a réellement jeté une encre dessus? Soit, pas sensible au saignement, très peu au saignement. Je peux faire ça et essayer de le tuer. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est relou en fait si à chaque fois il me fait ça. Je vais essayer de voir si je dois vraiment taper le boss ou pas. Hein, mais... What? Ok. Bon, sinon. S'ils essaient de me le ramener, je les tabasse. Lui, peut-être que je peux faire une protection sur l'autre là-bas. Comme ça, c'est lui qui se prendrait les dégâts. Libère-moi, je ne sais pas nager. J'ai aucune idée de ce que ça fait, genre... Ah, là, quand il est comme ça, il a plus de force ni rien. Est-ce que je ferais pas ça? Tout le monde se reprend, embarquement forcé, à santé des morts. Je sais pas, lui, il y a un truc que je sens pas. Ok, donc là, il est mort, ça permet à lui de rejouer. Il va protéger lui. Du coup, peut-être que si quelqu'un veut l'amener sur le devant, c'est lui qui va être amené devant. Voilà, ok. Ça, je sais pas combien de temps ça dure, faire que je regarde. Ça, j'ai envie de le rendre, de l'infecter. Parce que ça dure 3 tours. Ok, à chaque tour, il pourrait être à 9 si je le fais à chaque fois. Ça dépend combien de fois il attaque avant moi, évidemment. Non. Raté, voilà. Comme c'est que là, il va se faire grave encore, ça va être méga relou. Peut y avoir du saignement, on sait jamais, hein, ça...
Je pense que si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. J'ai quand même les dégâts qui sont tout à fait corrects. Ça me fait avancer de 1, donc c'est bien. C'est bien dans le dé, en fait, si je peux avancer de 1 en même temps. Et s'il est stun, peut-être que du coup, il n'en invoque pas d'autres s'il est stun. On verra. On verra. J'ai pas vraiment besoin de soigner. Lui, il a le malus. Je sais pas exactement ce que ça fait. Modification de gnagna. Est-ce qu'il manque un? C'est vraiment pour être sûr que je ne loupe pas mes attaques. C'est jamais mauvais de pas les louper. Allez, hop. Voilà, il prend un dégât de la bile. Lui, je vais devoir le tuer, mais une fois qu'il aura... Voilà. Il aura grab... Ah non. Il ne grabe pas. Ok. Non! Voilà. Hop, toi, t'essaies de le faire saigner. Voilà. Tant que ça saigne, c'est que ça baigne. Il peut être stunnable, le boss. Est-ce que je ferai pas un essai? Genre, enfin, un essai. Plusieurs essais, voilà. Ok, tout va bien. Tiens. Bon, 3 pour 0, c'est bien. Hop, on continue là-dessus. Vu qu'il a de moins en moins de résistance à l'infection ou au saignement, en fait, plus ça va aller, le gars, plus il va avoir de debuffs. Ça va être très cool. Arrivera le moment où il pourra perdre jusqu'à 12 HP partout. Ok. Je peux pas respirer, mais est-ce que ça tue vraiment au bout d'un moment? Parce qu'en fait, c'est ça qui m'inquiète, c'est que j'ai aucune idée de ce que ça fait. Si ça le tue ou pas, à un moment. Ah, il peut encore jouer. C'est très intéressant. Il va essayer de se sauver tout seul. Hop, lui il continue. Il infecte. Oh, ah non, il a une résistance, pardon, j'avais pas vu. Zut, suis-je bête. Et il a une résistance au saignement aussi. Bah, on va faire ça. Libérons l'autre. Et là, il a plus de résistance aux infections. Ok, donc c'est vraiment faire que je fasse attention. Oh, attention à toi, gars. Voilà, ça c'est bien. Bon, 3 de dégâts pour 15 de régène HP, ça va. Non. Voilà. Eh, hey, mais il arrête pas d'attaquer. C'est pour ça que les dots, c'est bien, en fait. Ok. Ça, c'est pas grave. Y a pas grand-chose à faire, finalement. Hop, on repart là-dessus. Il est toujours stunnable. Un boss stun, hein, moi je m'en plains pas, ma foi. Ça fait toujours une attaque en moins. Hop, résistance faible aux infections. Voilà. Résistance saignement 60. De toute façon, je fais quoi? 7-13. Ah, 10-18. On va y aller comme un bourrin. Bon, le combat aura pas été trop dur, globalement, ça continue comme ça. Ça me paraît correct. Ça me paraît correct, tout le monde. Le pauvre, lui, à chaque fois. Je pense que je vais essayer juste de brutaliser le mec là-bas. Eh, j'ai envie de brutaliser en tapant à côté. Bon, le temps que je le transforme et que je tape, ça va pas être worse. Voilà, il va se prendre 6 points de dégâts par tour, plus eux deux qui vont taper, il va mourir. Ah, en fait, d'accord, c'est un vol de vie. Pardon, j'avais pas capté. Non, résiste. Malus. Ok, c'est juste un malus. Je pensais qu'il allait aller en face. Pas du tout. Ah, il a un bonus. Ah, quand il y a lui, en fait, il y a un bonus. Ok, faut vraiment que je prenne le temps de regarder exactement tout ce qui se passe. Parce que je le fais pas à chaque fois et c'est gênant. Bon, lui, par contre, son stress, il augmente vachement vite. Hein. On va faire ça. Allez. Et ensuite, on tabasse celui-ci. Ah, c'est super. Je sais pas où je vais le mettre, mais c'est super. Chance. Bon. Bah, je vire l'appel. Alors, on va virer ça. Ça, c'est 250. On vire ça. Ça vaut beaucoup plus. On va continuer. On va continuer parce qu'il y a quand même quelques trucs ici, là, des curiosités que je... Où il y a peut-être des trucs intéressants à récupérer, sachant que maintenant les torches et tout, je peux juste les oublier. Donc bon, c'est cool. C'est dommage qu'on puisse pas se balader plus vite, par contre, de point en point, une fois qu'on a déjà fait le donjon. Parce que genre, j'ai aucun intérêt à remarcher ici à pied. C'est pas ouf. Est-ce que là-bas, il y aurait pas une porte secrète? Peut-être. Mais pour le coup, si j'y vais... Oui, bah prenez les gars, il y a de la bouffe, hein.
Hop. Une petite gorgée de thé. Du thé avec d'ailleurs du citron dedans, du thé vert avec du citron pour augmenter les effets des antioxydants. Voilà, voilà. J'ai vu ça sur internet, ça me semblait correct, alors... Je suis parti là-dessus. Bah, je pense que je vais essayer d'aller dans l'autre salle après. Hein. Je suis tellement bien que... Ce serait dommage de ne pas en profiter. Hop, on fait attention au piège. Il te frappe. Non mais stressez pas les mecs, y a plus personne. Oh, quel génie, il a désarmé tout seul. Si lui fait un test et qu'il a une crise cardiaque, je dois vous avouer que je serais déçu. Mais bon. Super. Ah, pour aller en arrière, ça va vite hein, dans ce jeu, on va pas se le cacher là, c'est... The Flash il va pas aussi vite. Bon, on va rapidement arriver là-bas du coup, parce qu'après c'est des trucs de deux cases, donc c'est plutôt cool. À l'aventure, compagnon, je suis... Ah, oh, il va faire son test bientôt, lui. Ah, oh, est-ce que je back avant qu'il fasse le test? Non, allez. On est courageux, j'ai peur. Vas-y, on va garder une grosse lumière et... Masochisme, d'accord, au pire il veut qu'on le tape. Bon. Ça me paraît pas très grave là dans l'idée. Parce que si c'est un tank qui a masochisme et qui se prend les baffes pour ses potes. Bon, globalement je vais pas m'en plaindre, on va pas se le cacher. Ok. Ah oui, eux quand ils ont faim c'est pas de la blague quoi, ça fait une heure qu'ils se baladent. Ah, il déconne pas. Est-ce que je peux en tabasser un d'un seul coup? Allez, lui. Je suis un homme heureux. On va stun lui. Voilà, lui il va taper. Ah non, est-ce qu'il peut mourir avant? Il peut. Il mourra pas avant, mais il aurait pu. Et c'est la poignée du glouglou, à glouglouglou. Quel soin incroyable. Waouh. Je suis alors là, je suis ébahi. Devant, telle efficacité au soin. Voilà, pile le tue d'un coup de chaîne. Ne pas confondre avec le ninja dans LOL. Et voilà, du coup, dans la prochaine salle, il y a peut-être un combat. Mais j'ai plus de bouffe. J'aurais gagné au moins 1500 PO. On garde ça à fond. Et. Ah non, c'est pas la prochaine salle. Enfin, c'est là-bas. Voilà, on sait pas ce qu'il y a. Ok, super. Ok, il y a un combat ici, ça se gère, ça, ils sont pas extrêmement nombreux. Je peux pas les one-shot, vraiment, du coup, si je peux en dégager un, hop. On va essayer de jouer pas mal avec le stun, avec la bille. Ça par contre, il va falloir que je fasse attention vraiment à lui. Critique. Ok, ah, ça veut dire critique, non, il y a comme le G de test, très bien, surprenant. Ils sont pas très très résistants, ça peut être intéressant toujours. Ils soignent 8, hyper 4, bon. Non, tu saignes pas s'il te plaît. Ok, ça va. Résistance, ouais, la résistance au saignement est assez forte, du coup on va pas trop s'embêter. 3, 7. Donc il y en a un qui va mourir, l'autre qui restera 1 HP, j'aurais dû essayer dans stun 1. J'aurais dû essayer dans stun 1, ça aurait été beaucoup plus intelligent. Parfois je réfléchis beaucoup dans le jeu et parfois pas assez. Je pourrais optimiser beaucoup plus si je prenais le temps, mais... J'ai du mal avec les jeux qui sont un peu lents comme ça, moi j'aime bien quand ça bouge. Et pourtant le jeu j'aime bien en partie du coup. C'est compliqué, je dois aller contre mon instinct, mais en même temps... Ok. Hop, lui il va mourir de toute façon, donc est-ce qu'on peut pas tuer lui? Sachant que lui c'est le cac qui va le tuer, voilà. L'autre il meurt de toute façon. Ne saigne pas. Il n'y a même pas de test de saignement. Non, bah soigne-toi le mec. Hein. Il y a un moment où c'est pas très grave. Hop. Toi, t'as pas de self-heal. Toi, tu vas essayer de... Hop, voilà. C'est ça qu'on veut. Et lui, il est mort. Bah, tu le... Hein. D'accord.
Il s'est frappé tout seul. Bah, il est maso. Il y a une logique. Il y a une certaine logique dans ce jeu. Est-ce que j'ai vraiment envie... Je vais jeter la pelle parce que je m'en moque. Est-ce que j'ai vraiment envie de jeter des lingots au point où j'en suis? Non. Maintenant, je peux rien virer pour les lingots. Je vais pas virer les torches, quoique. Hop. Je pense qu'en vrai, je peux virer les torches, maintenant. C'est la dernière salle. Tout peut arriver. Et... Ok. Ils sont surpris. Ok. J'ai peut-être moyen d'en éclater pas mal d'un coup, là. Je peux le one-shot. Ah ! Ouais ! Lui, il one-shottera personne. Par contre, il peut en stun 1. Parce qu'il reste toujours quelque chose de plutôt cool. Est-ce que je soigne ou est-ce que je tabasse? Tabasse. Il tuera pas, mais bon, c'est déjà ça. Ça va. Et soigne-le. On sait jamais. Soignement, je perds 3 HP, ça va, worse. On fait ça, et c'est le guerrier ici, l'homme d'armes. Ah bah non, c'est toi. Et il y a 205 bo que je peux pas avoir. Super. Bon bah on a tout fini, globalement ça s'est bien passé. Pourtant il ressortait déjà d'une 4 niveau 1. Ça donne quoi? J'ai gagné 7000 PO, j'ai gagné pas mal de legs, par contre c'est cool, très rare. Précision, critique, esquive, moins 8. Point. Ouais, ça se vaut. Bon, lui, il passe niveau 3, c'est un peu embêtant. On va pas se le cacher. Mais on fera avec. J'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix. Oh là. Bon, j'ai réussi quand même à tuer un autre boss, du coup, ce qui est pas mal. Ça, qu'est-ce que j'ai ici? Occultiste, lépreux, médecin de peste et blablabla. Est-ce que vraiment j'ai envie d'augmenter ou de recrute disponible? Non. Capacité non plus, j'en ai un peu rien à faire. Alors ça, les recrues plus expérimentées, je sais pas, est-ce que ça vaut le coup juste ça? Parce que bon, il y a des bâtiments en ville, regardez. Il y a ça par exemple, où je vais avoir besoin de... Ah non, c'est les têtes qu'il faut. Ou ça, aussi, justement. Là, il en faut 200. C'est un peu embêtant, j'hésite. La salle de spectacle, dégâts stress moins 10. Ça marche comment, au final? Est-ce que j'oserais faire ça? Waouh, ouais, mais j'en ai qu'un. Ah, je sais pas. Ah, voilà. Au hasard. On sait jamais. Si les mecs que je peux déjà améliorer le début, c'est cool. Alors, par contre, ça, comment ça se vend? 1000 et quelques, ouais, 1500, ouais, 3000 et quelques, ok, j'ai moins de me faire un peu de thunes si j'ai besoin. Il vaut encore plutôt bien, à part lui, mais bah lui, on va l'envoyer faire un petit séjour. Pas de galère, mec. Les autres, j'aurais dû les envoyer se soigner de maladie. Bon, bref, on verra ça une autre fois. Quant à nous, bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, c'est un peu long, mais plutôt cool. Sur ce, je vous fais des bisous, pensez à vous abonner, tout ça, je vous dis à la prochaine, tchou.